Et bonsoir à tous, on se retrouve pour un 68e épisode de Génération Zéro en coop avec Capo. Bonsoir monsieur, madame. Bonsoir tout le monde. Ah, c'était derrière moi. Ouh. Tu... avec ton petit masque à gaz, ça fait... Ouh. Ok. Bon, je vais rester à mon feu de camp. Vous me faites peur monsieur. Je vais me mettre de ce côté, c'est mieux. Comment on va? Il faut aller, hein. Bah ouais, hein, je crois qu'il y a... il y a que ça à faire. Bonsoir le chat, bonsoir XK, bonsoir les autres. Salut Arnaque. Alors, on s'était dit la dernière fois qu'on se ferait peut-être bien le bunker qui est dans le coin là, à Hermelinen. Ouais. C'est un peu à l'ouest, plein ouest, quasiment. On va tenter d'y aller en vélo, on va faire 50 mètres en vélo et puis on l'abandonnera comme d'habitude. T'as le souhait de faire, t'as une unité mécanique à l'ouest aussi, attention. Ouais, bon, on va peut-être se le faire au passage. Ouais. Et le bunker, il est où ? Juste en dessous de cette unité. Tableau de guerre, bunker de Hermelinen. Sinon, j'ai fait générer un vélo, mais je sais pas où il me l'a collé, mon vélo. Il me l'a mis dehors ? Ah oui, il me l'a mis dehors. Tu t'es fait un vélo? Ouais. Comme ça, on pourra l'abandonner dans 50 mètres. Bah ouais. On va pas l'abandonner à vous. Non, ça va. J'ai réussi à rejoindre la route. Ouais, j'arrive pas à monter sur nos petits cailloux. Allez, pédale. En plus, il y a une descente, ça descend tout seul. Et salut, Sabdam. Sabdam qui dit salut, Elru et Zaza. Salut, Renato. Renato, hier soir, on lui a demandé de nous faire une petite pièce pour poser 4 vending machines et 4 ice crushers. Il a commencé à creuser un trou à la place de mettre 3 fusées dedans. Il ne faut pas lui dire petite, il faut dire minuscule. Tu as un truc à peu près petit. Oui. Le son du jeu, il n'y a pas le son du jeu. Diantre. D'habitude, il ne me pose pas de problème. Ah. Parce que là, il y a le son du jeu. Il y a surtout du monde. Il y a des robots, je crois. Et il n'y a pas le son du jeu. Ah ! Sérieux, je vais mourir. Mais ils envoient direct des roquettes, ils sont comme ça. Bah apparemment. Et puis, j'ai pas de vie et j'ai pas le son du jeu. Ils sont où ? Je me replie, je vais mettre le son du jeu. Ouais, je me replie aussi parce que... J'ai plus de vie. Entre les roquettes et les balles. Tu sais quoi ? Je vais retourner à la planque. Et pourquoi j'ai pas le son du jeu ? C'est bizarre. Ouais, c'est... J'espère que je vais pas être obligé... Ça me l'avait fait une fois, j'avais dû quitter et reprendre le jeu. On va quitter et reprendre. Ouais, je crois que je vais faire ça. Allez. Bon, Capo, je te kick directement, kick. C'est aussi simple. Dès que j'aurai retrouvé quelle est la touche que je... Là, il y a le son du jeu. Mettez-vous dans la tête des tac 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 boum boum et puis voilà. Oui, ça fait tac 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 boum boum. Multi-invité Capo. Voilà. Ça va quand même mieux.
T'as reçu l'invitation? Ah oui. Oui, je suis en train de rejoindre. Tu es sorti du sol. Tu es sorti du sol, c'était très bizarre. Bon, on va y aller à pied vu qu'on se fait embuscader dans 50 mètres. Embuscader. Ah, ouais, c'est un terme. C'est quoi ça? Il y a une lanterne à côté de. Oh, des jumelles! Une embuscadation. C'était peut-être bien le gros là d'ailleurs. Bah. Non, c'était pas le gros. Pas si près. Ouais, je sais plus sur quel jeu j'arrivais plus à avoir le son. Ah, c'était peut-être sur. Avant mes vacances, quand j'étais revenu sur Planet Crafter. Du coup, j'avais fait un reset de paramètres de Windows, enfin des paramètres de son personnalisés. Du coup, le jeu a démarré sans les paramètres personnalisés. Et ce jeu, c'est le seul où il faut qu'il ait démarré avec les paramètres personnalisés. Sinon, problème de son coupé. Hein? T'es du Nord, toi? J'ai entendu des blagues. Hein? Le son coupe et revient. Moi, sur mes indicateurs, je vois pas le son couper et revenir. À droite, c'est les Alpes. Ouh, petite église. Ouais, les robots sont bien faits. Il est sur un bon défouloir, hein, là, après. Ce qu'on lui reproche depuis longtemps, avec Cabo, c'est de pas. L'histoire. Ouais, c'est poursuivre l'histoire. Même en essayant, c'est pas. Oh, il y a des grenades dans les assiettes. Oh, il y a une arme. Un Muller PP et un Mauser. Il y a trois armes à trouver ici. J'ai trouvé deux, mais c'était des armes dans une caisse, donc rien à voir. Ah, mais c'est un refuge. Dis donc. Et sinon, dans le chat, alors, est-ce que vos vacances se sont bien passées? Et vous qui nous regardez sur YouTube, dites-nous dans les commentaires si vous avez passé des bonnes vacances. Ah oui, aussi. Pensez à commenter sur YouTube, pensez à liker, à vous abonner, à partager à tous vos amis, à votre famille, à votre grand-mère. Surtout Génération Zéro, partagez-le avec vous. Merci. On n'a pas assez de grand-mères qui regardent Génération Zéro. Ça, c'est bien dommage. Alors, ouh! Oh, il y a une masse. Ah, j'ai trouvé une arme. C'était une masse. À l'étage, planté dans l'ordinateur. Enfin, dans le Minitel. À l'étage. Juste là, derrière toi, dans le Minitel. Derrière toi. Je fais de la musique. Ah, je vois ça. Station de vêtements derrière. Il y a tout ici, il y a aussi clair. On a vu une balise relais. Ouais, mon gros robot pas loin que j'entends. Oui, je crois qu'il m'a vu. Ouh, pas qu'un. Oups. Il a sonné les cloches. PV, c'est pas mal. Ouais, moi aussi. Je vais laisser me finir, comme ça je vais regarder, je vais me remettre en bas direct en avec 100 PV. Je vois pas grand chose, il y a du bruit. Ah ben il m'a raté, tue-moi. Et où t'es toujours en haut? Ouais. Ouais, ouais, c'est bon, ça y est, je suis mort, je crois. Je vais apparaître directement là, c'est mieux. Voilà, ouais, c'est bon. Ils sont là-bas, à l'arrière. Oups!
Ouh, un PV. Je pense que je vais réapparaître aussi. Voilà, 0 PV. Vas-y donc. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens ? Ils sont en train de se tirer dessus là-bas ou ? Ouais, on dirait bien. Ouais, le gros, il est en train de tirer sur je sais pas quoi. Ok, ah, il reste une boule là-bas. C'est bon. Et le gros, il se fait tirer dessus par les petits en fait. Ouais, on va lui laisser se fatiguer. Il ira tuer le vainqueur. Il y a du lance-flamme apparemment. Ouais, j'ai vu du lance-flamme. Ah ouais, ça... ils sont tous en train d'essayer de cramer le gros. Enfin, moi je veux plus de pour qu'il se tire dessus. Ouais, moi je me suis fait tirer dessus un peu. Il y avait quoi à looter ? Ah bah tiens, il y a le fusil là. T'as trouvé un fusil ? Ouais. T'es où ? Juste là, posé à côté de la chaise. Sur la chaise en plastique. Ah yes. Donc il nous reste une arme à trouver. Oh le gros il prend cher. Hein. Ah oui, c'était moi le gros. J'ai pris cher. J'ai pris une roquette dans la gueule, j'ai fait zéro. J'ai mouru. Ah oui, je vois ça. Ah mais il y a toujours des petits qui me... Oups. Pouh. Bon, ça tire toujours. Est-ce que si je remonte dans le clocher peut-être, je pourrais essayer de me les... Je passe par le cimetière, je vais voir. Eh! Merde, on l'a vu. Ok, pour le moment, ils sont. Je me suis fait quelques petits là, je sais pas s'il en reste. Et tu veux venir me voir, j'ai un pistolet à mes pieds. Ouais. On va éviter. J'arrive. Si ça me l'a compté comme arme qu'il fallait. Il y a des cadavres de robots. J'ai tout tué. Il y en a un derrière moi hein, qui me...
Il voit. C'est où ton arme? Là, au pied du cadavre. Au pied du cadavre. Je vois le cadavre. Là, là, où je suis, là. Là, là. Ah, ce cadavre-là. Où ça tire? Voilà. Ah oui, non, mais il y a du monde, là. C'est... Ah, c'est quoi? Il y a une forteresse, c'est quelque chose? Porte Dagaboda. Ah, on est déjà arrivé là, je reconnais. J'étais venu pendant que un voyage scolaire. Ah, d'accord. Non, ça c'est trop gros. C'est pas la bonne arme. Je croyais qu'il était mort. Hein. Je venais pour le buter, mais il était pas mort. Oups. La balise détruite, ok, bien joué. Ça, c'est incroyable. Où est-ce que je récupère ça? Allez. Okay. Là, je peux trop fort. Le gros qui est mort, ok. Ah, je peux pas courir, je suis trop chargé, je crois. Ah! Bon, cela c'est fait. Il y a toujours le gros. Il y a toujours des petits. Il y a un petit à ta gauche. Oh, il y en a plein. Non, c'est des cadavres. Il y a des bulles. Ah mais c'est le boss en fait. C'était quoi? Wow. C'était quoi ça? Ça fait très mal. T'as vu ce qu'il largue? Aïe! Aïe! Ah, il fait mal, hein? Ah, mais c'est un soviet, en fait. J'avais pas percuté, c'est un soviet, le boss. Elle est où la caisse pour se vider là? Tout au fond. Ah oui. D'ailleurs, ouais, je devrais peut-être faire de même parce que. Au moins virer les armes.
j'ai fait une connerie, je crois. Ah, c'est pas la première fois. Ouais, non, bah, ce serait pas drôle, sinon. Ah oui. Tiens, je vais faire le tour par l'arrière. J'ai mis une roquette par derrière, je sais pas si ça va aider. Ouais, bon ça a pas été hyper concluant. La roquette par derrière, c'est... je suis à quoi? Je suis slug. Tu vas prendre du buck. Ah oui. Oh. Ah, il fait super mal. Ok. Le corps à corps, c'est pas une bonne idée. Ah, il y a trop de choses. Pourquoi j'ai du... Superman. Il envoie des salves de roquettes, en fait. J'ai plus de buck. Il est où mon buck? Buckshot. Il envoie des salves de roquettes, il électrifie, il fait... Tu l'as tué? Le petit, ouais. La boule. Toi qui l'as eu? Ouais. Au 50 mm. Attention, il y a autre chose là-bas. Ouais, je... Je loot le gros, je me casse. Et il y avait ça déjà. C'est quoi qui nous tire? Ah, il y a encore un gros là-bas en fait. Tu brûles le capot? Ouais, ouais j'ai mis...
Ah oui. Je vais essayer de le démarrer. Zut. Je vais faire recharger, j'ai tiré. T'as réussi à le looter, quoi. Ouais. C'est complètement électrifié par ici, d'accord. C'est où ? Okay. Prototype de veste, je sais pas trop quoi. Parfait, ça a bien joué. Il est mort l'autre là-bas ou pas ? Non, il est pas mort. Il est pas mort. On dirait qu'il est incapacité. On dirait qu'il peut plus faire grand chose, mais il a pas l'air d'être mort. Hein. Ah, il a l'air bloqué, je suis dessus, je suis sur lui. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. Si là, portez-vous bien. Allez, ciao.